Stephen King a écrit « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt. Ce serait contraire à la poésie de la peur. » Dans une histoire d'horreur, la victime demande sans cesse pourquoi, mais il n'y a aucune explication et il ne doit pas y en avoir. Ce sont les mystères sans réponse qui nous marquent le plus. Et c'est de cela qu'on se souvient à la fin. Mon nom est Alan Wake. Je suis écrivain. J'ai toujours eu une imagination débordante. Mais ce rêve me troublait. Il était brutal, sombre et étrange, même pour moi. Alors oui, tout commença par un rêve. Comme dans tout cauchemar digne de ce nom, j'étais en retard. Et j'essayais désespérément d'atteindre ma destination, un phare. J'ignorais pourquoi je devais impérativement m'y rendre. Je conduisais trop vite, sur la route longeant l'océan. Je n'ai pas vu l'autostoppeur à temps. Il était mort. J'étais persuadé qu'on me jetterait en prison et que je ne reverrais plus Alice. Soudain, son corps avait disparu. J'étais sous le choc de l'accident. Je pouvais à peine tenir debout. Je devais me rendre au phare. Je savais que quelque chose d'important m'y attendait. Pareil, tu me reconnais même pas, hein, l'écrivain. Tu te prends pour un dieu, c'est ça? Tu crois que tu peux inventer tout ce que tu veux? Je vais éclater dans les filets, rajouter un peu de piment à ton histoire. Mais tout ça dans ton histoire. T'es pathétique. Tes bouquins seraient complètement illisibles si ton édite. T'as dépassé le délai. Je réalisais que l'autostoppeur était un personnage du roman que j'écrivais. Qu'est-ce que ça fait d'être tué par sa propre création ?
J'étais piégé. Il n'y avait aucune issue. Le chalet était dangereux. Il fallait que je sorte de là. Suivez la lumière. Vous êtes blessé. Trouvez refuge dans la lumière. Elle seule vous protégera. Bravo. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ça donne ça, car il ne savait pas qu'au-delà du lac qu'il appelait sien, se trouvait un océan sombre et profond, dont les vagues étaient plus fortes et plus calmes à la fois. C'est pour moi accueilli. C'est pour moi accueilli. Vous comprenez? Non. Suivez ma lumière. J'apparais dans votre rêve pour vous prévenir. Les ténèbres sont dangereuses. Elles dorment pour l'instant, mais quand elles sentiront votre présence, elles s'éveilleront. Nous manquons de temps. Je ne peux vous montrer que le plus important. L'autostoppeur est sous le contrôle de l'ombre noire. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Les ténèbres le protègent de toute menace. Seule la lumière peut chasser les ténèbres et le rendre à nouveau vulnérable. Tenez, prenez la lampe. Dirigez votre lampe torche sur lui et désintégrez les ténèbres. Vous avez réussi. Les ténèbres ne le protègent plus, mais elles le contrôlent encore de l'intérieur. Il est fichu, c'est toujours une menace, c'est toujours votre ennemi. Tenez, prenez l'arme. Maintenant, tu vas mourir. Vous vous en êtes bien tiré. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. C'est tout. Je vais maintenant vous rendre votre rêve. Dans le cauchemar, les ténèbres envahissaient le monde entier. Le phare était le dernier refuge de la planète. Qui m'a créé comme ça? Maintenant, je vais te tuer. T'es la fin, Wick. Tu es mort.
continuer encore et encore. Bébé, c'était juste un cauchemar. Tout va bien, mon ange. Tu somnolais. Ouais. Ça m'aurait étonné aussi que j'aie vraiment dormi. Un peu d'entrain. On y est. Si on était en vacances. Mets-toi à côté du vieux monsieur là-bas. Je veux une photo de toi avec la ville en arrière-plan. Ok, je vais même te donner un titre pour la photo. Jeune citadin avant d'être dévoré par un ours. Salut. Bonjour. Vous avez choisi le bon moment pour visiter la ville. La fête du cerf est pile dans 2 semaines. La fête du cerf? T'as entendu ça, Jerry? Ah, vous avez une femme ravissante. Enfin, si je puis me permettre. En fait, je suis Pat Mayne. Ravi de vous connaître. Oui, je suis Alan Wake. Je ne vais pas faire semblant de ne pas vous reconnaître. Vous êtes célèbre, monsieur Wake. Enchanté. Je suis moi-même un de vos lecteurs. Et j'espère que ce n'est pas trop présomptueux de ma part. Mais je suis l'animateur de nuit de la radio locale. Je peux vous demander une interview? Écoutez, monsieur Mayne, je suis en vacances. En réalité, j'apprécierais beaucoup que personne d'autre que vous ne soit au courant de ma présence ici. Je suis sûr que vous comprenez. Très bien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ben, si jamais vous changez d'avis, vous n'aurez aucun mal à me trouver. Je vous souhaite à tous les deux un agréable séjour. Super. Ça devrait pas être mal, ça. En plus, je crois que tu t'es fait un ami. C'est mignon. C'est ça. Oui? Salut la star! Comment va mon auteur préféré? Vous êtes arrivé? Barry, ouais, on arrive tout juste. Les gens du coin ne fichent la paix, j'espère. Sinon, je prends le premier avion pour leur faire passer le message, Al. Non, Barry, tout va bien. Super! Alors, je veux juste que tu te détendes et que tu te ressources. Alors c'est comment là-bas? Tu sens l'inspiration qui revient? Barry, on s'installe à peine. Ok, Al. Je te rappelle plus tard pour voir comment ça se passe. Et appelle-moi en cas de problème, d'accord? Très bien. Je veux juste que tout aille bien pour toi. À plus tard. Je t'aime aussi, Barry. Tu es bien conscient qu'il va t'appeler toutes les 5 minutes? C'est Barry. Je peux toujours éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un SMS de Barry. Il te dit bonjour aussi. Alan, on est arrivé. Allez, viens, on retourne à la voiture.
Il faut qu'on fasse un détour par le resto pour récupérer les clés du chalet. Monsieur Carl Stucky nous attend, c'est le proprio. Je vais faire le plein en attendant. Je te retrouve ici dans une quinzaine de minutes. D'accord. Alan, je te remercie d'être venu avec moi. Je t'aime aussi. Vas-y, je te promets d'être sage. J'avais oublié qu'il restait des endroits comme celui-ci. Des villes où tout le monde se connaissait. Bienvenue au Odir Dinner. J'aurais besoin d'un renseignement. Je cherche... Monsieur Wake, Alan Wake. Oh, waouh, je suis votre plus grand fan. Je sais que tous les fans disent ça, mais je le suis vraiment. Je suis ravi de l'entendre. Rose, je cherche Monsieur Stucky. Carl Stucky. Carl? Oh, bien sûr, Monsieur Wake. Je crois qu'il est allé aux toilettes. Il sera là dans un instant. J'en reviens pas. J'ai tous vos livres. C'est la librairie qui m'a donné le présentoir. Ils l'ont retiré de la vitrine. Rends-moi service, fiston. Ça me ferait plaisir d'écouter une chanson. Coconut, la numéro 6 dans le jukebox. Je le ferais bien moi-même, mais j'ai les jambes complètement engourdies. Mauvaise circulation. Ouais, c'est une blague ou quoi? Coconut encore? Oh, tu me dégoûtes. Et ça se dit rocker. J'en reviens pas. Oh. Il arrive que ça se bloque. Ne vous y aventurez pas, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Je crois que ça va aller, madame. Je n'avais aucune envie d'attendre. Je voulais juste voir Stucky récupérer les clés et filer au plus vite. La serveuse me donnait la migraine, comme tous les fans hystériques. Hey, oh. Monsieur Stucky? Carl n'a pas pu venir. Je crains qu'il ne soit souffrant. Mais j'ai ici la clé du chalet et l'itinéraire jusqu'au lac. D'accord. Je vous souhaite un bon séjour dans mon chalet. Je passerai m'assurer que vous êtes bien installé. Et saluer votre femme. J'insiste. Merci. Cauldron Lake est un endroit spécial. Très stimulant. Vous avez eu de la chance cette fois, jeune homme. Vous risquez de vous blesser dans le noir. Il faut vraiment réparer ça. Et je dois rappeler à Sarah. Préfère encore ça que de t'entendre chanter. Tout va bien? Tout va à merveille? Ouais. Fichu Ernie. Elle gonfle comme une baudruche. Dès que je lève le petit doigt. Ah oui, tout va à merveille, c'est sûr. Ah oui, ça faisait un sacré bail, Tom. Content de te revoir. Les Anderson sont... des musiciens. Le docteur Hartman devrait bientôt venir les chercher. Ils sont échappés de Cauldron Lake Lodge, sa clinique. Au revoir, Monsieur Wake. Mission accomplie. La clé et l'itinéraire. Mon héros. J'ai acheté des lampes torches, juste au cas où. Hé ! Attendez ! Madame Wake ! Vos clés ! Ce resto était un asile de fous. Cet endroit est incroyable. Ce serait le cadre idéal pour un roman. On est censé être ici en vacances, Alice. J'y réfléchirai quand on sera rentré à la maison. D'accord? D'accord. On en reparlera plus tard. Vous écoutez Batman sur KBFF. Je n'avais aucune envie de parler. Je voulais juste faire le vide dans ma tête. Magnifique soirée à Bright Falls. Parle pas.